je suis Jean-Paul Faubert, directeur général de DHL Haïti. J'ai avec moi l'honneur d'avoir M. Rainer Wolfs, qui est le directeur régional Caraïbes de DHL. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour recevoir un avion qui est arrivé transportant de l'aide humanitaire suite à la catastrophe qui s'est présentée l'autre jour dans le sud avec l'ouragan Matthew. Il y a toutes sortes d'aides, il y a des kits de nourriture, il y a des vêtements, des chaussures, et c'est de l'aide qui a été collectée d'abord dans le réseau DHL, c'est-à-dire que les employés de DHL aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Mexique, dans la Caraïbe, se sont dit dans un geste de solidarité qu'ils voulaient aider Haïti, et eux-mêmes ils ont décidé de nous envoyer cette aide-là. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes ici pour recevoir cette aide, cet acte de générosité de nos collègues DHL des autres pays des Amériques. La distribution de l'aide, on s'est mis en relation avec des organismes locaux qui traitent déjà, par exemple, nous avons l'organisation SOECID, qui est une organisation qui traite sur le terrain avec des orphelinats. Donc nous avons décidé de nous joindre à eux, comme ils ont déjà le réseau d'orphelinats avec lesquels ils traitent tout le temps. Ils ont l'organisation, ils ont la capacité de faire cette distribution. Donc c'est eux qui vont se charger de cette distribution. Et comme vous voyez, on a quand même un focus sur les jeunes, sur les enfants. C'est ça l'avenir d'Haïti, donc on veut les aider. Moi, je suis Joanne Batroni, je suis représentant d'une organisation locale et internationale qui est le SOECID, SAS pour plus court. Et nous œuvrons dans l'assistance à des orphelinats et des institutions qui sont basées primairement avec Timoun. SOECID fondé depuis l'année 2004 et nous travaillons à travers bien-être social en façon pour que nous capables d'aller en support pour nous améliorer la vie des gens qui défavorisent. SOECID travaille dans le passé avec DHL dans l'autre activité que nous organisons pour les gens. Donc son partenaire que nous travaillons avec eux de longue date. Et ils ont organisé livraison ça que yo pral faire un don à SOECID qui pral assurer li que la fait livraison yo selon nécessité dans orphelinat que bien-être social by list là. Nous pas en calé nous déposer et puis nous just quoi dans sa moun di. Physiquement nous mener tête nous n'aller nous garder, nous faire une évaluation de besoin yo et de là nous assurer nous que orphelinat yo gen sa yo besoin pour une semaine. Pour y a une semaine là, nous retournons bien entendu, nous assurons-nous que bagaille utilisé pour Timounio, que pas gain aucun route proche qui fait avec matériel que SOECID bail. Je ne crois pas qu'il y ait une meilleure façon d'améliorer des vies des gens, des gens, des enfants à Haïti que de prendre un surplus qui existe aux États-Unis ou dans l'Amérique du Nord et de l'amener ici avec un avion DHL. Donc le transport, la logistique, c'est une de nos core activities et donc je suis très heureux et très content. C'est pas la première fois qu'on l'a fait, donc après le tremblement de terre il y a quelques années, on était là aussi et on avait aussi envoyé une équipe il y a 3 semaines, juste après la catastrophe, pour vraiment vérifier où sont les besoins les plus importants et les plus urgents. Et celle-ci, c'est un résultat de ces activités. Donc la réponse est oui, on sera là beaucoup plus souvent, on est très liés sur le marché.
le dernier mot, c'est de garder espoir que la population peut compter sur une solidarité internationale, sur une solidarité locale aussi. Et nous, DHL, nous opérons en Haïti, nous faisons des affaires ici, ça se passe bien pour nous. Donc nous avons quand même cette responsabilité morale de contribuer à l'amélioration des vies de la population et de venir quand même à leur aide quand ils en ont besoin.